Bonsoir tout le monde et pour ce stade entre la caillou après-midi, c'est cinquième et dernier sorti nous et pour et c'est maintenant. On se lui, c'est lui-même et qui est dans la technique là et puis c'est même Zami ou et pour le Kevin qui l'a ajouté à vous présenter et monsieur ça et puis supervision docteur Yves et Boissonnier. Déjà nous allons tout le monde et qui est en à bon, mais quelques points à gagner pour nous développer et pour nous après-midi à l'échelle nationale pour nous et parler là de et mesdames là. Bien et mesdames yo et bien Gonzalves qui sorti liste 20 joueuses qui convoqué pour deux prochains matchs mesdames yo a bien pour jouer dans éliminatoire Gold Cup 2024 n'a gain pour nous parler tout de Melchi et bien Edael Dumoné avec équipe Olympique Lyon et bien et qui dans groupe B et bien tirage au sort Ligue des Champions qui fait là et bien Melchi Edael Dumoné avec coéquipier yo yo gétant connaît adversaire yo dans phase et de groupe. N'a gagné pour nous parler tout et de ces et Gabriel et Calderon et Pellegrino et bien et selon monsieur et Carlo Maslin mais il fait qu'on est avec et Pellegrino et bien c'est fini yo mettez trois et entraîneur et d'ailleurs là capable une ado capable faire tête et sélection nationale là et puis à l'échelle internationale n'a gagné pour nous et Bayern et calendrier 5 championnat majeur européen affiche et cap gagné et pendant un week-end n'a gagné pour et parler tout des dossiers et Papou et Gomez et bien champion du monde 2021 avec Argentina et bien si gros problème et qui gagne là et Argentina capable et perdre titre et bien champion mondial 2020 là si on l'autre jeu là et même l'état est testé et positif non antidopage là mais n'a pas porté plus détails et puis Karim Benzema là qui se joue là avec équipe Al Ittihad mais Karim Benzema là qui marque premier goal contre et quand dans toute et carrière Karim Benzema qui ici bay tête du goal dans toute et carrière n'a porté plus détails c'est tout pour ça on a gagné pour nous développer et pour nous après-midi restez branchés d'a beaucoup de pause n'a tourner. Trois l'année sans choléra, vle dit, ministère santé publique la population, pas détecté aucun monde qui a maladie pendant période ça. Mais bactérie qui bay choléra est toujours là. L'a besoin en pile temps avant li éradiquer. C'est seulement un spécialiste dans le domaine de la santé qui a déterminé ou soit confirmé les gens maladie après test spécialisé dans le laboratoire. Face à la maladie choléra, en pile fois, c'est moun qui perd du temps avant à l'hôpital axi la yo qui par contre ça pour yo faire les yo senti symptômes yo qui rive perdre la vie yo. Choléra ka traité facilement. Ça qui important, c'est pas perdre du temps pour aller dans centre santé qui pi près là et puis ou ka tout commencer boire sérum ou préparer la caillou au soir sachet sérum oral. Nous devons toujours appliquer principe hygiène yo dans toutes circonstances. Laver men ak glo ak savon, boire de l'eau qui traité ak produit qui fait ak Clorox, Aquatab, Jif. Fait besoin nous dans toilette moderne ou soit dans latrine. Fois encore et nous saluons tout le monde et son plaisir et pour nous là et pour cinquième et dernier et sorti et poche au stade et pour et c'est maintenant ces amours El Flaco que nous avons pour présenter et puis ça gagné Winsley lui et qui la technique là et puis supervision docteur Yvan et Boissonnier et nous pourrons développer et titio et bien rapide là et 20 joueuses qui convoqué et bien sélectionné et féminine haïtien Frédéric et Gonsalves qui communiqué mais jeudi vendredi à la liste finale 20 joueuses et qui retenait pour disputer deux et match dans rassemblement dans mois et bien octobre là un côté y a gain pour jeu éliminatoire de la Gold Cup féminine 2024 équipe haïtienne là yo pral réuni là et valé n'a pas dit demain même y a réuni pour capable affronter équipe féminine et local là match aller et bien déplacement y a gain et pour jouer le 26 octobre et bien ça y a joué contre deux matchs contre équipe
et contre équipe et c'est quitte et revis là et a gagné pour jouer tout un match tout et contre un babad et bien c'est comme ça ça lui même la pied et pour et Grenadier et nous yo et bien Elise 20 et Grenadier et qui est convoqué là et comme et gardien Nassé et Kelly et Tuis et cap évolué dans l'équipe FC et Miami et City et gain Rose et Manny Joseph et qui c'est joueur animateur et gain Naomi Amboise et qui c'est joueur Little Haiti et comme défenseur et gagné et Ketna Louis et cap évolué dans l'équipe Montpellier et gagné et Chelsea et Cypri et va mettre dans le club Chelsea Cypri même là évolué et gagné Amandine et Pierre cap évolué dans AS Saint-Étienne et gagné tout et Milan Raquel et Pierre Jérôme cap évolué dans l'équipe une équipe George Nanson University et gagné Joanna et Lafotte et cap évolué dans l'équipe RC et Densler et gain et Tabita et Joseph qui a évolué dans l'Olympique de Marseille et puis Debois et bien aimé qui a évolué dans l'équipe et Fontes là et puis gain et Josuine et Vesizen qui a évolué dans Lille OSC et comme militaire gain et Charlie jeudi qui se joue RC Lens et gain Daniel Etienne qui se joue Citadel Ludog et gain Modeline Mouril qui se joue équipe et Clermont et foot et tout là gain Melchi Daël Dumoné qui se joue Olympique et Lyonnais et comme attaquante gain Roslo et Bojila cap évolué dans équipe Le Havre et gain Batcheba lui et cap évolué dans équipe FC Fleury 98 là et gain Chelsea et Domon cap évolué dans équipe et Panati na Écosse là et gain Nerilia et Modesi cap évolué dans équipe Montpellier et gain Flozi Dalina Joseph cap évolué dans équipe Olympique de Marseille et bien c'est 20 joueurs yo que Frédéric Gonzalez lui-même limité de yo pour aller jouer un match pour l'éliminatoire Gold Cup 2024 bon côté et mesdames n'a pas quitté et bien mesdames yo là et sélection nationale noire n'a pas toujours continué à l'échelle nationale et bien Ligue des Champions Olympique Lyonnais Demelchi et Daël Dumoné yo qui te connaît adversaire pour Ligue des Champions féminine dans la phase et des groupes bien yo trouvé là et dans groupe et BA à ce que tirage là qui fait jeudi à et tirage au soir qui fait et bien l'on là les placer dans groupe BA li équipe exa qui accompagne dans groupe BA qui c'est Slavia Prague avec et Polten et puis et Brand et c'est équipe ça qui accompagne équipe olympique lyonnais et la force là et sénation là qui et puis représenté dans tirage au sol Ligue des Champions féminine avec et trois clubs et qualifiés là dans yo gain et Paris et Saint-Germain et gagné équipe olympique lyonnais de Covenant et puis et gagné tout équipe Paris FC là et qui vient chercher là pour première fois et va participer dans Ligue des Champions côté hier là yo mettez do Wolfsburg en tête qui c'est finaliste dans dernière édition et ben yo passé sous Wolfsburg là et ben yo va jouer et premier Ligue des Champions dans histoire pour Paris FC ça fait force à le même Levin Bayer et trois équipes et ben dans groupe A c'est équipe FC et Barcelone qui dans groupe A gain Wasgard et qui accompagne équipe FC Barcelone tout et puis gain Benfica avec Eintracht Frankfurt et qui dans groupe A dans groupe et B et bien groupe B et c'est Lyon et de et Coventina et Lyon accompagné avec Slavia Prague FC et Polten avec Brann et bien qui dans groupe B là malgré là nous pas tellement sous-estimer et adversaire là mais l'a regardé là et l'a dit Lyon c'est tout dans Ligue des Champions équipe ça là sous papier ouais lui-même c'est lui-même qui chef et groupe là et Slavia Prague et Polten avec Brann Bosé c'est là pour convaincre lui-même il a marqué 7 11 ou bien 8 goals là tout depuis dans phase et de groupe parce que nous connaissons Covenant tout talent qu'il gagne là parce que l'on groupe comme ça là ou pas jeune Barcelone ou pas jeune Bayern ou pas non pour Paris ou pas non pour Ajax Amsterdam ou pas non pour Chelsea ou pas non pour équipe Real de Madrid là et Mbappé et là et ce moment là et bien et pour et Dumoné là les mêmes li et fait parler de li plus là parce que dans type pour ça là ça va Prague et Paul Tien avec et Brann là et équipe ça là c'est et yo pas tellement fait quoi devant équipe olympique Lyonnais et bien les rouges et bleus donc on fait et capable dégager là pour et celle chef dans groupe B dans groupe C et gain Bayern de Munich gain et Paris et gain Roma avec gain Ajax Amsterdam et puis dans
groupe de AG Chelsea, Real Madrid, Aiken avec Paris et Paris FC là. Mais c'est comme ça et ça les mêmes lié pour Ligue et des champions et beaucoup de et mesdames là bien convaincu là et qui dans groupe B avec équipe Olympique Lyon, ça va pas et Polten avec et Brun n'a pas quitté et dossier et convaincu là et nous aller n'a continuer toujours à l'échelle nationale et gagner et secrétaire général et fédération haïtienne et football là, mais c'est Carlo Maslin et bien qui était dans radio et Magique 9 et qui fait qu'on est là et bien et c'est fini et c'est fini pour sélection et bien et seigneur nous là et Pellegrino avec sélection là et c'est fini et bien on fait qu'on est et il est capable toujours qu'il est posté là parce qu'il y a tant qu'il conseille et conseiller et bien fédération haïtienne et football là la tente fait contrôle mais il n'est pas dans tête sélection encore là et bien il mettait il non trois entraîneurs là capable une là capable venir prendre et bien tête et sélection là d'ailleurs Gaye et Koloutoué et Gaye tout seul et Campbell et puis Gaye Eric Abidal et bien c'est trois entraîneurs ça là et bien et Carlo Marcel lui-même il hésite et c'est une là capable venir prendre et bien tête et sélection on a prétend est-ce que c'est Koloutoué ou bien est-ce que c'est Eric Abidal ou bien est-ce que c'est Sol et Campbell avec trois entraîneurs ça yo et c'est une là qui est capable venir peut-être sélection là et bien et rapide n'a pas équité et dossier à l'échelle nationale pour traverser à l'échelle internationale mais à l'échelle internationale là et avant d'aller à calendrier 5 championnat et majeur européen yo et gain là et gain là et Kevin De Bruyne là lui-même qui parle là Kevin De Bruyne là et qui était yo journaliste a posé et question et Kevin De Bruyne lui-même qui mettait dans bol journaliste là mais j'ai ça qui a dit et Kevin et c'est nous même et qui est qui pral remporter et ballon d'or pour Anesa Alan ou Belolen Andres Messi et bien De Bruyne lui-même qui dit c'est Erling Haaland sans et pas de doute dans ça et pour Kevin De Bruyne c'est Haaland et bien et pas de doute dans ça j'ai ça dit comme ça mais Messi gagne et coupe du monde là et De Bruyne dit en 2010 Iniesta était champion et du monde et il était bail titre là avec pays avec unique et goli il était remporté et il pas remporté et ballon d'or et j'ai ça même étape continue toujours il dit mais en 2010 et Messi t'a marqué plus goal passé Iniesta et bien De Bruyne t'a répondu et j'ai ça encore il dit oui et il t'a marqué plus goal passé Iniesta mais pour Anesa là Haaland marqué plus goal passé Lionel Andrés Messi pour qu'il soit pas qu'à Erling Haaland qui pour remporter et ballon d'or là et bien c'est De Bruyne qui t'a parlé comme ça avec un journaliste qui t'a pas posé question concernant et ballon d'or là Haaland ou bien Lionel Andrés Messi et De Bruyne lui-même et t'a répondre pour coéquipier dans l'équipe Manchester et City et dit il dit pour lui-même sans aucun doute c'est Erling Haaland qui t'a supposé il prend et ballon d'or et pour Erling et pour Erling Haaland là et bien De Bruyne lui-même c'est Haaland lui voter et pour et ballon d'or et puis et gain Roberto et Martinez lui-même qui fait en pile éloge et pour et Cristiano et Ronaldo il fait connaître il peut que j'aime et travaille avec un joueur et qui gagne un sentiment et tant que Cristiano et Ronaldo capable de batailler comme ça fait connaître il connaît Cristiano vrai jouer mais pas connaître si Cristiano Ronaldo a toute capacité ça vrai et dans football il fait connaître un joueur il était envie de travailler depuis longtemps mais c'est Roberto Martinez qui fait Eloza et pour et Cristiano Ronaldo Beto Martinez qui s'est sélectionné et sélection et portugaise là et qui gagne Cristiano Ronaldo comme et capitaine et bien qui débarque comme ça pour et Cristiano et Ronaldo et bien Roberto Martinez a fait un beau travail là dans tête et sélection et portugaise là tout et si tout il participe là et dans tête de la Seleção pendant les qualifications Euro 2024 là 8 matchs 8 victoires et 32 goals inscrits et puis 2 gol en QC et bien 100% victoire pour Roberto et Martinez en tête et c'est les Aoua et bien c'est bien pour Roberto et Martinez moi c'est sélection portugaise a besoin et un sélectionneur comme ça là parce que pour moi même les c'est vrai que tu prends Ligue des Nations yo prend tout Aoua avec et
et avec et Sanchez, mais l'autre gardé là où est que sélection parce que ça te manque yo coach ko ça et l'autre gardé Roberto Matias pour ça le faire avec Belgique là et ben c'est libéral travail avec Messi et Portugal là pour capable venir gagner sélection là parce que et Portugal c'est une équipe en place là pour suivre pendant Euro 2024 là et même dans mondial 2026 c'est toutefois je ça ta continuer comme ça parce que yo go coach là qui gagne un sentiment avec la bataille là et pour moi même pas comité le combat mi grand coach mais dernier temps là sous ta faire liste coach dans sélection là faut qu'on mette Roberto et Martinez pour ça le faire avec la sélection et Belgique là qui est au tête classement là fait parce que 5 ans là qui est au tête et classement et FIFA c'est pas un bagaille qui biti et bien pour Roberto Martinez l'étape entraîné et sélection et Belgique là qui est là les vins pour Portugal là bon c'est et sélection ça là c'est sélection pour aussi là c'est tout paquet de jeunes là qui là en plus c'est un groupe et Pedro Neto yo gagne tout et Bruno et Fernandez et yo gagne et Ruben Dias et cap joue bien là yo gagne et Jota yo gagne Rafael yo gagne Rafael Leao yo gagne Joao Félix et tout joueur ça là c'est joueur capable utile et bien et sélection et bien Portugal c'est tout yo gagne là yo Inacio là cap joue bien là yo défenseur Inacio et cap joue bien là c'est tout joueur là capable utile et bien sélection Portugal avec Roberto et Martinez n'a pas quitter le si Roberto Martinez là n'a continué et toujours et à l'échelle internationale et bien et gain qui peut regarder là et qui suit là pour capable requitter et bien ancien joueur qui c'est Takifusa et Kubo dans équipe Real Sociedad là et bien Kubo là qui gagne une clause libératoire de 60 millions d'euros et bien non et contrat lui et bien pour équipe Real dans les mêmes ligue une clause et bien non et dans joueur là et bien 50% et bien et ça là capable faire si tout fois il a tabé je savoir la paye 30 millions d'euros dans l'équipe Real Sociedad pour capable gagner service et Kubo mais Kubo lui-même qui par contre il dépôle déjà venir dans l'équipe Real Sociedad pour la retourner dans l'équipe Real de Madrid là mais faut que club là ta monter ligue et ligue un rôle important et bien dans l'équipe Real de Madrid d'après Mundo et dépôt et Tivo et Real Sociedad lui-même il li pas contre tout d'avant et Kubo parce que Real là il toujours gain droit et bien dans joueur s'il te vend nous joueur là il toujours gain droit là il doit libérer ce joueur et bien la obligé de payer là 30 millions d'euros pour capable bali joueur et Kubo lui même qui par contre idée pour ta venir dans Real de Madrid mais faut que le bata monter les gion gros il gion rôle qui important et bien une équipe Real Madrid là et bien Kubo là c'est pas ça Kubo dit il pas quitter Real là et Sociedad parce que Kubo là lui même il tapit là c'est toi après et Marco Asensio là lui même il quitter là et après départ et bien Marco Asensio aime penser et sous côté droit là mais Kubo est à faire au bien voyez Kubo est à faire au bien là et parce que l'on a regardé c'est vrai pour Ibrahim Dias là qui retourne là mais qui pas trop temps de jeu même pas avec Kubo là qui est connait les gars bien là parce qu'il a fait une grosse saison là avec Real Sociedad parce que c'est joueur qui capable utile là et pendant la saison 2023-2024 la 46 en janvier la Real pas mettre une main là sous Kubo là parce que Jean Kubo a joué là et dirigeant Real là ta main qui est service et taquica et Kubo Genou Castel tout cap préparé off là et pour le terrain Manchester City là et Calvin Philippe là mais c'est très beau joueur mais malheureusement qui était venu là dans Manchester City mais qui pas gagné top temps de jeu si tout l'alté barre tout avec yon Ilkay Gundogan Kevin De Bruyne et Rodri et bon et je ça tape difficile vrai pour te jouer vrai mais bon c'est après du pas et joueur ça yo tant que Ilkay Gundogan et puis l'autre jour encore bon c'est joueur ça te ca et gagne place li mais le regard là lui même qui était préféré à après coup et après Mateo Kovacic il pas bail joueur ça top temps de jeu pendant ce temps dans sélection anglaise lui même c'est chef milieu terrain Calvin et Philippe et qui a joué bien là dans sélection et bien en gaz là et bien Genou Castel lui même qui a préparé un off là pour capable gagner service joue ça et Calvin et Philippe et gain assez bien lui même qui monte un gros intérêt là pour capable gagner service Harry Maguire c'est qui tout là qui tab dit et mic et c'est je parle Harry et Maguire et dans l'équipe Manchester United là et pendant et trêve là Harry Maguire joue deux beaux matchs pour sélection anglaise là pendant c'était dans Manchester United nous et c'est au pire lié mais dans sélection anglaise là les gars confiance là joue bien on dit soit contre Harry Maguire de Manchester on va dire moi c'est une dans meilleur défenseur qui gagne là dans mode là et tellement joue ça là joue bien les gars placement et l'a marqué lui solide et balle au pied le bon dans section anglaise mais pendant ce temps l'équipe et Manchester United là même il va connait mettre joueur OG la bait
tête li gol et dégagement yo pas jambon bon sorti balle yo yo pas bon pour Harry Maguire pendant ce temps mais l'elle dans section anglaise là l'a bien joué et équipe Milan AC qui monte là yon gros intérêt pour capable gagner et service Harry et Maguire et puis et gain et Galatasaray tout et on est là marché transfert là cap gain et pour arriver là dans mois janvier là puis équipe là qui mettre coupe de là pour capable gagner et bien et service et jouer gain et Galatasaray qui montre là yo intéressé tout avec Yuri et Tielemans mais et Tielemans ça qui gain problème là avec et dirigeant Aston Villa et avec un dirigeant Aston Villa et Tielemans qui vit là pour quitter l'équipe Aston Villa là mais semble c'est Galatasaray qui est club là qui paraît plus intéressé ou capable de gagner service international et belge là et bien et Tielemans qui n'a gros problème avec dirigeant Aston Villa et gain et Barcelone tout lui-même qui est intéressé avec joueur Manchester City et qui c'est Julian Alvarez qui sous contrat jusqu'en 2028 et même Barcelone là qui veut là pour capable gagner service et jouer ça là champion du monde en 2022 et yon joué là qui a pile talent qui compte faire gol en pile et bien Julian Alvarez est-ce que si tu lui même va libérer jouer ça parce que jouer là lui même tout qui besoin jouer à si jouer lui même et il a pas voulu bal temps de jouer là parce que il a demandé et pour quitter City c'est vu là long gros côté là il était prendre Ligue 1 et des ouais Ligue et des champions il prend tout et coupe du monde que dit plus fort trophée qui possible dans ce temps là mais Julian Alvarez était prendre moi c'est la seule qui était prendre connait là et il y a la libération côté capable imposer parce qu'il y a qui ça pour battre là pour gagner là c'est un ballon d'or yo sous dedans parce qu'il était prendre mondial prend Ligue des champions malgré l'âge li là et pour tout trophée qui possible ça on en fait là déjà c'est bien pour Julian Alvarez et moi pense si Guardiola pas vli et by pitié chance de la vrai et pour partie du l'aime penser et jouer à supposer qui décide parce que tout trophée qui possible là les gars point on a la celle là pour jouer même les capable imposer pour le titulaire en côté là capable et chef projet équipe là pour mettre équipe sous doule pour jouer football pour la marquer goal pour capable venir remporter yon sur le dos et même venir remporter yon et ballon d'or et dans cahier parce que c'est bah ça là seulement qui manquait Julian Alvarez parce qu'il a besoin titre individuel parce que titre collectif là les gars point on a ce titre individuel et il besoin là parce que Julian Alvarez c'est là qui décide là embassé et tu as dit si c'est pour Bayern de Munich qui t'a quitté le tout pour FC Barcelone pour Real de Madrid l'a fait un beau choix pour moi même pour trois clubs ça l'a fait un beau choix c'est le qui décide pour Real de Madrid pour Barcelone pour Bayern et de Munich mais c'est l'a fait un beau choix parce que nous là si deux fois mais pour le faire choix Real là tout faut que Real pas gagner et Mbappé faut qu'il pas prendre Mbappé et soit Real Madrid pour Mbappé ou bien Real Madrid t'apprendre parce que Makate fait connaître Perez tout et Gege et sous Julian Alvarez. Et même Barcelona sabe tout, il paraît plus intéressé avec Julian Alvarez parce que nous connaissons Robert Lewandowski après l'âge. Et Robert Lewandowski après l'âge, moi c'est il a fait Barcelone bien là parce que Robert là, il a pris l'âge et quoi qu'il ait en saison ou bien deux saisons. Et Barcelone capable baler une autre saison encore. S'il joue une grosse saison là, moi c'est Barcelone capable baler une autre saison encore. Mais pendant et 2024 pendant Victor qui a vinn là moi c'est si Julian Alvarez même l'état là tombe parce que Barcelone capable compter sur deux ça pour devant là même parce que Julian Alvarez c'est un joueur qui connaît faire goal en pile cap utile l'équipe FC Barcelone même j'avec équipe Bayern de Munich là tout nous connaît Aiken tout et c'est vrai il débarqué là il gagne un contrat pour 3 ans équipe Bayern de Munich là mais là prend l'âge tout parce que pas tellement cal côté sur depuis joueur ça va fin faire une saison bien deux beaux saisons là moi de quoi il va faire comme là de l'autre côté étant qu'on dans pays Arabie ou Saoudite ou bien dans MLS là tout moi c'est joueur ça même yo praler et Aiken ça fait moi c'est Julian Alvarez cap utile et capable utile une équipe ça soit Real Madrid Barcelone ou bien équipe Man et équipe Bayern de Munich là parce que ouais je vais aller même il compte faire goal mais Guardiola lui-même il fait quelques matchs il débarque avec lui mais il fait confiance avec Elin Alan elle dit dans moment là il veut marquer goal mais ouais pour saison là il est pas en forme et puis Julian Alvarez même lui-même qui est en forme là fait goal et n'a gardé match côté RB et Leipzig là côté match T1 à 1 Guardiola fait changement on est retiré on est monté avec Julian Alvarez ouais comment Alvarez même il était bailler passe et puis il était marqué un gros goal et moi il motivé qu'il capable penser jouer ça si vous avez et plus temps de jeu dans l'équipe et dans l'équipe Manchester City n'a pas et continuer et toujours là avec information là et gain et Karim Benzema là
Karim Benzema qui est bail et tête li gol là côté et il était marqué avant, il fin fait un bel gol pour équipe Al Ittihad là dans championnat et Saoudia là et puis l'Albay et tête li gol match qui était 1-1 là, on va regarder comment match ça même était fini là. Al Ittihad qui t'a joué Karim Benzema qui bail tête li gol pour première fois et dans carrière, regardez côté c'est joueur ici Albay tête li gol mais c'est carton rouge Karim Benzema pour que j'aime prendre un carton rouge et dans carrière. Nous pas souhaiter pour Karim t'apprendre là mais pour que bail tête li gol, il vient bail tête li gol là mais Karim Benzema pour que j'aime prendre un carton rouge mais dans carrière nous souhaiter pour le Québec et comme ça parce que son joueur qui fait play en pile. Karim Benzema joueur qui respecté et adversaire et Karim Benzema et je dis là qui bail tête li gol dans match côté Al Ittihad et cap jouer pour 10e journée dans championnat et saoudien. Mais avant là nous checker sur et match et Karim Benzema avec équipe li et Al Ittihad match ne quitter 1-1 un bel match ne garder parce que ndi dit forme tom pour garder championnat saoudien parce que puis le jeu de battre l'autre bois championnat bel mais toujours à garder et championnat ça avant et nous entrer dans dossier et équipe Al Ittihad là bien et Noël by affiche et cap gain pour week-end dans ce championnat et majeur européen et en Espagne là il s'abral et bral bon belle et gel là entre Séville avec Real de Madrid bon ça fait me dire parce que Séville regardez c'est tout Sergio Ramos qui s'est joué FC Séville il a le débat qui là et puis il gagne Carlo Ancelotti dans conférence de presse avant match qui fait un peu l'éloge pour Sergio et Ramos il veut connaître si c'est pas Ramos par exemple ici là parce que et Ramos t'a marqué et bien goal contre Atlético de Madrid en 2014 et les ça c'est avec Carlo Ancelotti Real Madrid t'a pral et prend un décima les ça un gros goal de Sergio Ramos goal de la tête il dit si c'est pas Ramos et bien il pas tape ici à et bien pour jusqu'où il y a il fait connait et bien il respecte Sergio Ramos c'est une des jeunes équipe Real Madrid là la côte en pile et pour là ouais Ramos là et bien et cap et déposer et football et bien c'est Carlo Ancelotti lui-même qui était et parler comme ça concernant et Sergio Ramos un match et cap jouer dans un moment là Osasuna a joué la contre et Granada un game Borussia Dortmund tout cap jouer contre Werder Bremen et puis gain les avant cap jouer contre équipe RC Lens et dans et Premier League là et c'est pral 9e et Junia et il a pas démarré demain et samedi côté Liverpool a gagné pour jouer là contre Everton c'est pral à 7h30 et gagné Bournemouth à 10h cap gagné pour jouer contre Wolverhampton et gagné Brentford toujours à même les ça cap gagné pour jouer contre Burnley et gagné Manchester City cap gagné pour jouer contre et Brighton et toujours à même les ça et gagné Newcastle cap gagné pour jouer contre Crystal Palace toujours à même les ça et gagné Nottingham Forest cap gagné pour jouer avec Luton Town toujours à même les ça et puis à 12h30 et gagné et Chelsea qui a pour jouer contre Arsenal c'est une belle affiche et Chelsea Arsenal et puis Sheffield United a pour jouer à 3h contre Manchester United et ça a continué dans dimanche là gain Aston Villa à 11h30 qui a pour jouer contre West Ham United là encore sur notre belle affiche encore Aston Villa bien West Ham United à 11h30 et puis pour clôturer 9e journée dans la Premier League là Tottenham a gagné pour jouer dans lundi Tottenham a gagné pour recevoir l'équipe Fulham là mais pour clôturer 9e journée dans la Premier League là n'a pas quitté la Premier League là nous pour aller en Espagne dans Liga c'est pour la 10e journée Real Sociedad a gagné pour jouer à 8h contre équipe et Marocaine gain Getafe qui a gagné pour jouer à 10h15 contre Real Betis et gain FC Sevilla qui a gagné pour jouer à 12h30 contre Real de Madrid et Real de Madrid là et Sevilla et il pas fait appel avec Ada Goulet car on sorti dit parler pour trois prix avec Ada Goulet parce qu'il pas là pour jouer lui-même les vinn rechiter l'obligé bay jouer là un titre là il fait connait jouer lui-même il sentit bien mais il pas fait appel avec lui Ada Goulet qui pas présent gagne tout et Ceballos tout et bien qui pas présent dans groupe Real de Madrid a gagné pour affronter équipe FC et Sevilla et gain et Celta et De Vigo qui pour jouer contre Atlético de Madrid et puis et ça a continué et dimanche gain Las Palmas qui a pour jouer à 8h contre Yayo et Vallecano gain Girona qui a pour jouer contre Almeria à 10h15 gain Villarreal à 12h30 qui a pour jouer contre Deportivo Alaves et gain Barcelona à 3h qui a pour jouer contre Athletic Bilbao mais pour 10e journée dans la Liga et n'a pas quitté la Liga là et nous et aller là dans
et dans la série A en Italie c'est pral 9e et journée et gain équipe et la zone n'a capable pour jouer contre Napoli c'est pral à 9h et gain et Torino à midi capable pour jouer contre Inter et de Milan et gain et Sassuolo capable pour jouer à 2h45 contre équipe Lazio et de Rome non et puis Eza a continuer et dans dimanche et gain AS Roma capable pour jouer à 6h30 contre AC Monza et gain Bologna à 9h et capable pour jouer contre et Frosinone et gain et Salernitana qui a gagné pour jouer à même les Côte et Cagliari, gain Atalanta qui a gagné pour jouer à midi contre Genoa et puis et à 2h45 choc pour 9e journée dans série A, c'est Milan AC qui a gagné pour jouer contre Juventus de Turin à 2h45 dans et dimanche. C'est comme ça ça même la pied dans et série A. N'a pas quitté et série A là nous pour aller là et nous pour aller dans nous pour aller là dans Ligue 1 là dans Ligue 1 avant là dans Ligue 1 là on regarde ça pas gagner Bundesliga c'est pour la 8e journée gain Union Berlin là bon ça qui était démarré parce que d'autres monde cap jouer là contre Werder Bremen dans moment et n'a pas aller là d'autres monde Werder Bremen bien pour 8e journée dans Bundesliga ça a continué et dans Bundesliga bien demain et samedi Union Berlin a gagné pour jouer contre Stuttgart c'est pour à 9h30 et gain Fribourg est toujours à même les ça cap gagné pour jouer et contre et beaucoup moins et toujours à même les ça a gagné Wolfsburg cap gagné pour jouer contre Bayer Leverkusen qui est tête classement Bundesliga Bayer Leverkusen de Xabi Alonso et gain Hoffenheim cap gagné pour jouer et toujours à même les ça contre Eintracht et Frankfurt et gain Darmstadt 98 cap gagné pour jouer et toujours à 9h30 contre RB Leipzig et puis Gamens 05 à 12h30 cap gagné pour jouer contre Bayern de Munich et puis et ça a continué dans dimanche gain FC Cologne à 9h30 cap gagné pour jouer contre Mönchengladbach et puis gain Indenham cap gagné pour jouer à 11h30 contre RC Augsburg et bien c'est comme ça ça le même la pied dans Bundesliga dans Ligue 1 c'est pour la 9e et journée on s'est démarré là côté équipe les Havre a joué la contre équipe RC Lens et puis et ça a continué et pour 9e journée demain et samedi gain et Paris Saint-Germain qui a gagné pour jouer à 11h contre Strasbourg gain Nice qui a gagné pour jouer à 3h contre Olympique de Marseille et ça a continué dans dimanche et gain FC Lorient qui a gagné pour jouer à 7h contre Stade Rennes gain Toulouse à 9h qui a gagné pour jouer contre Stade Rennes gain Lille est toujours à même les qui a gagné pour jouer contre Stade Brétoise gain FC Nantes qui a gagné pour jouer contre Montpellier est toujours à même ça. Gain Monaco qui a gagné pour jouer à 11h05 contre équipe FC Metz là et puis pour clôturer 9e journée c'est Olympique Lyonnais qui connaît là un moment difficile à gagner pour recevoir équipe et clairement c'est pour à 2h45 c'est comme ça ça le même la pied dans Ligue 1 pour 9e journée et puis dans championnat et saoudien là regardez comment ça est là dans championnat et saoudien l'équipe Karim Benzema la table joue là et bébé nan bail et tête li goal bien match là na gain match cap joue nan moment là et Osasuna la 1 et sous et Granada gain Borussia Dortmund qui 0 Werder Bremen 0 et gain Le Havre qui 0 et puis équipe RC Lens là les mêmes li 0 c'est comme ça ça les mêmes li là nan moment et n'a pas et parlé là et match qui gagnait et qui gagne là nan et c'est un championnat et majeur européen yo voilà dans championnat et saoudien là on a saoudien là et match et qui t'y gagne là parce que depuis je dis là ça a été démarré bien équipe Al Faya et qui bat équipe Al Okdoubla 2 goals à 1 en dépassement Al Faya Al Fay et victoire ça et gain Al Etaoun qui fait 1-1 avec Al Ittihad c'est équipe Karim Benzema et match qui finit 1-1 Karim Benzema qui marque tous deux goals une pour équipe lui et puis une pour équipe adverse là et bien Karim Benzema qui ici et Bayer et tête du goal là non et Kayel match qui finit 1-1 et gain Al Fateh SC qui mené 3-1 sous Aba et match là n'a joué 78e minute de jeu et Al Fateh 3 équipe Aba 1 et gain Al Hilal qui mené sous Al Khali un goal à 0 match qui n'a 78e minute de jeu. Bon, on a débuté équipe Al Hilal là. Malheureusement, là, il n'y a pas de gain. Nous imaginons là qui blessé là, qui va le rater.
et 6 mois de compétition. Et c'est Mitrovic et oui, attaquant Sebla qui marque goal Al Hilalla. Et bien Mitrovic qui marque, c'est l'équipe Al Hilalla qui charge de oui, il plein joueur et entraîneur aussi Georges et Jesus, il y a Bono et qui n'a qu'un Bono n'a qu'un et puis gain Kalidou Koulibaly gagne tout Milinkovic et Savic, gagne Ruben Neves et gagne Malcolm, gagne et Al Dassaoui et le seul même tout qui capitaine équipe là et puis gagne Mitrovic qui devant là, c'est le même qui marque gagne goal là, mais match qui n'a 78e bientôt 79e minute de jeu, mais Al il a la mené sous Al Khalij yon goal là à 0 et puis et ça a continué dans samedi gain Al Azem qui a gagné pour jouer à 11 contre Al Wydad et puis Al Nassr de Cristiano Ronaldo a gagné pour jouer contre Dammar FC et puis gain Al Ahly de Riyad Mahrez et de Roberto Firmino et des fois Kessié a gagné pour jouer contre Al Wydad c'est pas à 2h et puis Al Shabab a gagné pour jouer contre Al Tahi c'est pas à 2h rencontre ça tout pour championnat et bien saoudien c'est pour la 10e et journée n'a pas et continuer et toujours là à l'échelle internationale on a des amis là moi pour interviewer au Ghana Miguel c'est ça qui pas jamais là Miguel a fait pam il pas jamais et pas là Geti Bourgeois Geti Bourgeois là t'a prié là c'est puis qu'un seul chéri a fait pam tout Geti Bourgeois là qui a prié là pour et n'a venir avec dossier Argentine là Geti Bourgeois là qui pas attendre là non il a dit il a retiré titre ça là et puis Galdo a fait pam c'est Miguel et puis Kensel et puis gain collaboratrice nous pas boy site là pour live là et a fait pam qui là et puis gain et Faniel et Foris pas problème pas problème ça même nous salut nous toutes et puis oui et Mapton et Galdo là et Galdo Galdo a fait pam Napton et puis et pour aussi et Argentine là et gagné et Papou Gomes là et Papou Gomes là qui et yo était là antidopage là Papou Gomes et qui c'est ancien joueur équipe FC et Sevilla depuis dans Sevilla monsieur joueur al jouer et mondial là bien joueur ça là qui est sur route là Argentine qui capable bon il cap il cap toujours et conserver titre et champion du monde là malgré et bien test et antidopage positif de et Papou et Gomes une équipe capable et perdu et bien titre et champion là et si tout voir ces deux joueurs c'est des joueurs qui violent et bien règle antidopage là Argentine là même là mais et les axo là même comme si yo vini comme ça là yo va mener plus enquête dit les gars comme si gon jeune effectif équipe là qui était champion du monde là qui vient tester comme ça là yo va venir mener enquête pour connait est-ce qu'il pas gon l'autre joueur comme ça encore dit la si gon l'autre joueur là encore là qui testé positif là ben Argentine a perdu et ben titre un champion champion mondial 2022 là ben Argentine là c'est gros problème qui gagne là ben fanatique Argentine prier mais pour l'autre joueur là et pas testé et pas testé positif et ben antidopage parce qu'il était cela il a gagné et pour fait là parce que depuis gon l'autre joueur là parce que m'a dit comme connait là c'est pas pour Gomes c'est un seul joueur et ben Argentine capable toujours conserver titre et champion mondial 2022 mais si gon l'autre joueur là encore qui testé et même genre avec pas pour Gomes ben Argentine la perdit et ben titre champion et mondial là la perdit titre champion mondial là et moi c'est les deux ça va venir comme ça bon c'est pas la première fois non et ça a passé comme ça parce qu'il jouait anti dopage c'est Gokouze qui gagne même Jean Wella et Fagioli qui s'est joué jouent tout ça de tirer je viens faire connait là parce que connait là non j'étais là bah il vient tellement ouais compliqué et ouais jouer et puis ouais payer sur propre équipe ou capable prendre goal l'autre équipe yo avec bah payage là qui ne fait jouer yo et ben leur découvre yo joue quand vient prendre plusieurs temps et section quand ba yo 2 ans quand ba yo 3 ans quand on capable être honnête dans football là ben et Fagio lui-même qui fait connaître gon match et il t'a joué contre Sassuolo Juventus il était retiré pendant les chita sous bois il vient penser li doué et quoi dette seulement comme li doué dans bagarre parier et 3 millions et 3 millions d'euros li tombé crier pendant li sous bois malgré la caméra a filmé malgré ça li tombé crier et pendant li sous bois li crier en pile c'est Fagio lui-même qui dit parler comme ça il fait connaître oui il pas caché vrai pour dire oui il connait pas vrai le connait fait bagage lui parce que lui jouer parce que connait là gon bagage là tous les joueurs même là jouer ta gon match tous les Juventus a joué la contre autre équipe
dans la série A, on a dit jouer même l'époque goal équipe là, l'époque goal équipe là, on a dit le même l'obligé quitté, yon Mayomel quitté, il fait un faute, soit pour un carton rouge. Et puis de yo fait en façon quand même de plusieurs joueurs pendant l'a joué et puis l'a joué et l'a fait et pas gagé l'a fait comme quoi tout l'a perdu parce que Fagio lui même lui fait qu'on est lui là pour dette lui là et dette là c'est et 3 millions de euros lui doué par rapport et bagage payage et yo yo découvert là tout et gagné et Massimiliano Allegri tout qui c'est coach Juventus de Turin lui même tout lui connait jouer et petit payage lui et quand je vais te bagage li yo même râler yon photo là côté mais c'est ça lui même li t'apprend et tu vas gagner là tout Mel Capoco ah ouais oui même tout ici de la vraie oui once lui et tu bagage li il te prendre a dit tu bagage nous même parfois nous comprendre mais nous pas comme si pendant et ces joueurs football nous pendant nous je n'a jouer peut-être n'a prend goal l'autre équipe adverse là n'a quitté goal là passer ça ou li pas bon vrai ça ou pas bon et ben gè groupe ils sont là et ben Fagioli là et yo bali là en pile temps là y a pour mener plus ça qui est toujours pour soumettre c'est ça et puis ouais et bien quand il a après 2 ans après 3 ans seul va jouer football et c'est pas seul jeu non il est sectionné là pendant bagaille et pas gars ça venir là et puis c'est joué et même il était sectionné et puis c'est joué là et sectionné là pour bagaille pas gars ça même coach tout là qui connaît ça là c'est gros cause qui est là gros ce doit faire là pour bagaille pas gars ça là et parce que et gagné Massimiliano Allegri là yo là dans petit bagage là on le prend mais petit bagage là et bien Massimiliano Allegri il était petit bagage là yo photo là yo aller là et bien il a mené plus ça qu'être là capable connaître mais est-ce que Massimiliano Allegri était petit bagage là pour capable connaître mais qui ça va décider avec coach Juventus de Turin là qui était perdu et Fagioli et même qui était sélectionné là tout avec sélection italienne et gagne tout et Tonali tout qui s'est joué et Newcastle ancien joueur et Milan AC et bien qui était même fait liste et pour une sélection italienne là pendant trêve là et bien il était obligé de remplacer parce que li et par rapport pour pas y a ça là les sous section il était obligé de remplacer et bien c'est joué à S Roma qui était joué une chance là il était venu remplacer et Messi ça parce que c'est gros gros là gros des heures d'affaires pour bagaille et bien et pas gagne ça n'a pas et continuer toujours là ça et Franco Patriote, et Franco Patriote, nous saluons même. Le Sten Bastien, bonsoir, depuis Wanamet, et KPK. Oui, il y a quand la pape campé, et Redged. Quand la pape campé, et mon Wanamet, nous et saluons nous. Et ça, et bataille la continue, et bien, et KPK, quand la, les mêmes, les papes campé, bravo avec mon Wanamet, c'est tout. Le Sten et Bastien. N'a pas et continue là avec information yo et toujours à l'échelle internationale bien et gain là oui section 1 les amis ça la section là pour un plus de détails c'est bon il n'a pas de plus de détails là sous sous dossier et pas pour Ego Mess là, mais c'est pour plus de détails parce que la devineur c'est CV, je vais saluer même ça bien faire des autres. Et puis c'est officiel, Gekou Yu et Mouy Thomas qui prolongent le contrat avec Brighton qui va là-bas jusqu'en 2027. C'est Mouy Thomas et Alda les joueurs ça, dans Brighton, bel joueur football. Et comme je joue bien dans l'équipe Brighton, c'est tout. Et il y a un gros match qui a là, c'est contre Manchester City, Mbassé. Et il y a tout, il y a des choses pour nous jouer là parce que Mouy Thomas, très bon joueur, mais qui prolonge le contrat là avec Brighton jusqu'en 2027. Nap et continue toujours avec information là à l'échelle internationale. Et nous avons et Mazouari lui-même qui va faire et parti et groupe Bayern de Munich là c'est tout avec un poste l'été fait et pour et Palestine et sur Instagram donc on est et problème qui gagne là et Israël Gazaio c'est gain là bien je vais jouer ça le même l'été fait un poste là bien semble club et Bayern Munich là et même yo et pas d'accord avec joueur là et bien yo obligé mettre à lui car groupe là même dans entraînement joueur aller pas chez et pour là mais d'après build et bien Maroc a le même li seulement dans entraînement individuel li peut être individuel mais avec groupe là joueur qui a lui car et groupe là et bien et Mazouari là qui non moment est compliqué et puis et c'est officiel Gechiou et Guiassi qui gagne 27 ans et qui élu joueur dans mois septembre blanc pour dans Bundesliga 5 matchs 10 goals et puis passe décisif parce que c'est mérité et pour Cheyou et bien Guiassi là 27 ans
c'est fini la meilleure joueur là dans 5 matchs et 10 goals et puis on passe décisive dans Bundesliga là la bataille qu'a gagné et soulier doa joueur ça là la bataille qu'a gagné et soulier doa parce que 10 goals là déjà là un boss parce que l'autre joueur là au même là regardez et c'est vrai et saison là pour moi même là 10 jours est toujours là libre est toujours parce qu'en première qu'a passé parce que les ou pas tellement yon go bite et parce que ou gen ou gen Elina Lan na mal go wel lap il wel konsa la et puis n'kabab di la gen l'autre joué la tout et puis le gars de bouton de yon seulement il a fait 3 et 4 goals déjà ou gen ton non pigou il a kou non seulement il a fait 3 4 goals ou même l'on a joué konsa la CV ou non équipe et 4 bata la nan Bundesliga et nan équipe et Stuttgart la mais moi c'est l'autre joueur ça est au coup et Robert et ton coup et Kylian Mbappé et ton coup Magic Bellingham tout là qui pas tellement qui pas ont buté mais je sais qu'il n'a plus goal à coup là c'est match qu'on a fait 2 goals qu'on a fait 3 goals bien sous les doigts là mais qui chez Yuki qui a battu pour il a déjà 10 goals pour jouer ça et bien qui élit et meilleur joueur pour moi septembre non et bon un des gars et puis et gay et Fabelsa qui dévoile les classements joueur qui mieux pied et non mode là et ça l'est plus l'autre et bien sport du même et you fait et gay Cristiano Ronaldo et qui en tête là avec 247 millions d'euros en deuxième position c'est Lionel Messi 128 millions d'euros gay Neymar Junior et 106 millions d'euros gay et Kylian Mbappé et 104 millions d'euros en cinquième et gagne Karim Benzema 100 millions d'euros en sixième gagne Erling Haaland 55 millions d'euros en septième gagne Mohamed Salah qui c'est 50 millions d'euros en huitième gagne Sadio Mané 49 millions d'euros en neuvième Kevin De Bruyne 37 millions d'euros en dixième c'est Aiken 34 millions d'euros c'est la joie Ronaldo qui est en tête là 247 millions d'euros de l'autre joueur même Kakou et Kevin De Bruyne 37 millions d'euros et Aiken 34 millions d'euros et c'est gros problème malgré que ça revient toujours dans haut niveau mais c'est Cristiano Ronaldo le Messi de Andrés Messi vous connaissez et pour ça joueur ça vous fait et petit contrat là ou pas prendre le ballon et c'est tout là et pour l'autre bagaille là il a fait là tout non pas seulement là il fait là passer là il publicité seulement là et c'est comme Messi ça même a fait parce que Ronaldo c'est joueur football là et il puis et suivre là et sur Instagram même chaque jour là toujours un nombre abonné et qui monte et sur compte Instagram Cristiano Ronaldo et la bataille capable venir et fin moun y a plus et suivre là parce que Ronaldo là le même et c'est sportif y a yo puis suivre et bien sur Instagram et puis Gemali qui c'est celle équipe africaine qui remporte deux matchs pendant trêve là mais yo fait une victoire contre Ungonda un goal à 0 et puis yo bat Arabie Saoudite et 3 goals à 1 c'est depuis Fanatic Antonio de Arabie Saoudite là et qui a gagné dans sauté malgré ça ils ont le champion mondial là parce que premier match là dans coupe du monde là ils ont perdu contre Arabie et Saoudite et Arabie Saoudite qui tombé là contre Mali 3 goals à 1 parce que Mali là et bon la monter là parce que l'équipe qui va jouer là et Canada là soit capable battre une gonde dans la pendant trêve là c'est seule équipe africaine qui remporte deux matchs pendant trêve là parce que c'est important là et pour Mali yo victoire contre Ungonda yo goal à 0 et puis yo victoire contre Arabie et Saoudite malgré Chebouna là même la monter là en puissance mais malgré ça ça va empêcher que Mali lui-même lui mette deux à terre mais li batcho et 3 goals à 1 n'a prêté et toujours dans Arabie et Saoudite et bien gagne et monsieur cap géré et Chebouna ça là vous voulez cap gagne habite dans haut niveau là habite anglais habite espagnol habite italien capable vin habiter match dans championnat et saoudien c'est pour ça là il y a bataille là tout vous connaissez même janvier là depuis toute bagarre là ta rentré dans l'autre là janvier là ben à partir janvier dans championnat et saoudien là ben n'a pas gè go habit qui est en fait non déjà en Europe qui est habité et finale dans mondial habité finale dans Ligue des Champions Coupe du monde des clubs super coupe d'Europe on cite ça ou seulement et bien vous connaissez là c'est habite ça ou même et bien il y a yo gétant entré en contact avec eux là pour capable venir et pour capable venir prendre là et venir habiter et match
Non, et championnat et saoudien. Et puis, il gain a Lionel Andrés Messi là, et Yubaila, qui prend le ballon d'or pour 2023 là, malgré et Kevin De Bruyne lui fait connaître, c'est Erling Haaland pour lui-même, et Erling Haaland pour le ballon d'or, et malgré Jean Salmen lui pose la question, il dit comme ça, pour qui ça, c'est Erling Haaland, parce que Messi même le champion du monde, mais De Bruyne lui dit, en 2010, il est stati champion du monde, il part et ballon d'or, il fait connaître, bien, et sans doute c'est Haaland. Et puis au bail et ballon d'or, c'est Kevin De Bruyne lui-même qui était parlé comme ça. Et bien, et statistique légende Lionel Messi et pendant et période Zala pour ballon d'or 2023 là, Lionel Andrés Messi là qui disputait 54 matchs, il marquait 38 goals, les bails 25 passes décisives et 4 et coups francs direct là-dedans. Lui est décisif là toutes les 76 minutes, 162 dribbles réussis pour Lionel Andrés Messi et puis il crée là 59 occasions et 6 doublés et puis il fait 6 doublés et puis ils ont triplé pour Lionel Andrés et Messi et 26 doublés et puis 31 triplés pour Lionel Andrés et pour Andrés et Messi. Et puis Lionel Andrés Messi là qui était marqué 3 goals dans et finale là, et puis Messi là 8 goals dans phase finale dans Coupe du monde là, c'est un record. Et Messi prend une Coupe du monde, il prend championnat de France, il prend trophée des champions, il prend un trophée de best FIFA 2022, il prend joueur meilleur athlète dans le monde là, il prend MVP dans Coupe du monde là, il prend l'homme du match dans finale là, coupe du monde là, meilleur joueur pour Anéa et pour BBC, libre meilleur joueur pour Anéa et non World Soccer, meilleur joueur IFFHS 2 et l'année, meilleur joueur et pour Anéa et pour général l'équipe, meilleur de GIFFHS de l'année, meilleur joueur et pour Anéa et pour le Tsun, meilleur joueur pour Anéa goal 50, meilleur buteur international IFFHS de l'année, MVP et trophée des champions, meilleur joueur pour Anéa et pour le journal Lega John, et puis bel goal et pour Anéa, et bien voté et par public là, c'est tout, il goal marqué dans Ligue des champions, meilleur joueur pour Anéa ES, et puis et meilleur joueur étranger dans championnat et défense là, meilleur joueur dans coupe du monde là, joueur qui gagne plus et trophée l'homme du match dans coupe du monde, meilleur buteur dans histoire 5 grands et championnat, meilleur buteur dans histoire club européen, joueur équipe et décisif dans histoire dans sélection, soulier et d'argent dans coupe du monde là, meilleur buteur dans histoire 5 grands et championnat, meilleur buteur dans histoire club européen payé et 100 goals avec Argentine, joueur qui pi décisif dans histoire dans coupe du monde et puis grand nombre victoire et l'homme du match dans coupe du monde, deux fois MVP dans coupe du monde là, c'est un record pour Lionel Andrés Messi en 2014 et puis 2022, et puis et premier joueur qui gagne de ça avec deux clubs différents et seul joueur dans histoire qui marque dans chaque match dans phase finale dans coupe du monde et seul joueur tout qui remporte et puis trophée et non et histoire bien et joueur là joueur qui noté là qui puis noté là dans coupe du monde d'après Food Mode et puis joueur qui est piloté là dans Ligue 1 là, joueur qui piloté tout dans saison 1 d'après World Scored, et bien joueur là qui piloté dans Champions League d'après Rob Soed là tout, mais c'est comme ça pour Lionel Andrés Messi là, mais pour un peu le monde là il mérite et ballon d'or là, parce que j'ai annoncé c'est là pour le gars qui va remporter et ballon d'or 2022 là, ça va le faire yon 8e et ballon d'or, c'est vrai, il gagne en pile et pas les cas fait là, mais là pour le gars là, même sous là pour le remporter yon 8e et ballon d'or. Et puis Gabo Sadok Mouna qui a peine ouvri ce cola Dok Mouna cap mené yon goal à 0 sous équipe ouais des Bremen Dok Mouna qui bon là mais sous équipe ouais des Bremen là, mais c'est là nous mettons bout avec un poche au stade, c'était 5e et dernier sortie nous, et pour ce maintenant, mais nous souhaiter tout le monde et bon week-end.